Alors bonjour tout le monde. Comme tous les lundis, petite prédiction de la semaine. Bon, je sais que ça va pas, pour l'instant ça bouge pas trop, c'est on va dire un petit peu stagnant façon de parler. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, la semaine dernière, j'avais parlé qu'il allait y avoir des manifestations, des grèves, etc. Il y en a eu, ça continue toujours d'ailleurs, puisque les gardiens de prison se sont mis en grève et ont bloqué carrément les prisons. Virginie ce matin a regardé sur, pour une fois, BFM TV qui diffuse quelque chose, où ils annonçaient qu'il y a sur 188 prisons en France, il y en a déjà 130 de bloqués. Hein. Mais à mon avis, c'est pas fini. Voilà, en plus la semaine dernière, en fin de semaine dernière, j'ai vu que les CRS, c'est à Fleury-Mérogis, où nos chers CRS, qui sont de la même acabit que les gardiens de prison, se sont fait, ils se sont donnés à cœur joie avec bombes lacrymo et coups de matraque. C'est bien gentil, mais ça sent pas bon, quoi. Si que tout le monde commence à se foutre sur la gueule comme ça, j'espère que... De toute façon, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Les CRS, c'est comme les policiers et tout ça. Comment sérieusement en avoir ras-le-bol. Même les militaires. Hein, j'ai vu un article il y a quelque temps où une femme de militaire expliquait... que son mari qui est parti à l'étranger pour combattre, le mec il avait ça faisait 6 mois qu'il n'y avait pas de salaire de versé. Carrément 6 mois sans salaire quoi. Heureusement que madame travaille pour pouvoir réussir à quelque chose. Donc on arrive à un stade où là ça commence à devenir un peu dramatique. En même temps, comme je vous disais, hein, en fin d'année où Macron nous prévoyait encore un gros coup de pute, la preuve avec, j'en reparle même si j'en ai parlé la semaine dernière, de l'abaissement de la vitesse. Ça ne sert strictement à rien, c'est juste pour essayer de nous ponctionner des thunes. Le problème, c'est qu'avec sa loi où il dit carrément que toutes les personnes qui se feront choper avec le téléphone à la main, au volant, en même temps, c'est vrai que c'est dangereux. Je suis tout à fait d'accord. Mais la sanction est quand même très sévère puisque c'est 2 mois de retrait de permis direct, d'entrée. Même si vous avez vos 12 points, permis retiré pendant 2 mois. Donc la personne pendant 2 mois se retrouve sans voiture. Donc obligatoirement, si le mec il a 30 ou 40 bornes pour aller bosser, il risque de perdre son boulot parce qu'il ne peut pas aller travailler. Donc beaucoup de chômage. Je parlais aussi qu'il allait y avoir des licenciements. La preuve, PSA va licencier 1500 personnes. Voilà, sans compter aussi la société Teaming ou je sais plus comment, un truc comme ça, ou qui vont licencier aussi. Donc là-dessus, je me suis pas trompé. Par contre, avant de commencer la voyance, je voulais dire aux gens qui me suivaient régulièrement sur YouTube, déjà, il y a toujours les 10 minutes de voyance gratuite pour ça va être le 1200e là. Mais si vous voulez partager mes vidéos, n'hésitez pas, vous avez le droit de le faire. Je vais pas vous engueuler parce que vous partagez mes vidéos. Au contraire, vous savez très bien que Cabinet Medium, mon site Cabinet Medium, on ne peut pas se permettre de faire de la publicité. La seule publicité que j'ai pour me faire connaître, c'est le bouche à oreille. Donc si vous voulez partager mes vidéos de prédiction de YouTube, n'hésitez pas, faites-le. Je ne vais pas vous faire un procès, au contraire. J'ai besoin que ça avance. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai plus le droit de travailler en entreprise. Ça faut très bien le comprendre que j'ai plus le droit de travailler en entreprise. Pourtant, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans et demi. J'en ai 54. J'ai dû arrêter en 2011 de travailler en entreprise à cause des problèmes de santé. Mais bon, ça, c'est autre chose. Malheureusement, l'arthrose n'est pas considérée comme une maladie reconnue par le MDPH. Et donc voilà, ça, le seul moyen que j'ai pour pouvoir continuer à gagner ma vie, c'est la voyance. Comme je dis, ça fait 46 ans que je pratique la voyance, j'ai commencé à 8 ans, il y en a qui vont dire, qui vont crier au scandale, « Ah non, c'est pas possible, la voyance, on ne peut pas la commencer avant l'âge de 18 ans. » Ah mais quand tu as un don de naissance, tu fais comment? Voilà, tu vas pas attendre tes 18 ans pour t'en servir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère cartomancienne qui m'a aidé à m'en servir à 8 ans. Point. Bon, allez. Donc, sur ce, on va faire le tirage. Je bouge la webcam. Alors, mon apprenti, il n'est pas là. Hein. Il est en train de... Il est avec maman en train de s'habiller au premier étage. Donc, je mélange en pensant à la France. Surtout à la France. Parce que l'Europe, quand on voit par exemple Madame Merkel, hein, quand je disais que Madame Merkel était... Alors ça, on me l'a reproché en me disant « Ouais, Francis, tu as raconté des conneries auprès de la mère Merkel. En attendant, elle est en train de chercher des partenariats pour pouvoir garder son... » La majorité, hein, parce qu'elle est, elle est minoritaire maintenant. Enfin, son mouvement est minoritaire. Donc Gérald, mon petit GG m'a donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, la lune en vert. Samuel m'a donné le 10. M'a donné, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le monde en vert. Séverine et Franck m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. Le pape en vert. Sylvie, Loïc et Marie-Laure m'ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La tempérance en droit. Édouard et Christiane m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5. La tour en vert. Il y a destruction quelque part. Daniel m'a donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et bah ça continue avec carte à l'envers. Hein. L'empereur en vert. Laurent m'a donné le 2. Les amants en droit. Oh, mon Dieu. Au secours. Corentine m'a donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. L'ermite en droit. Ah, il y en a qui seraient prêts à partir, on dirait. Karina et Jennifer, le 22. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons l'étoile en vert. Ah, mon apprenti qui est sur les joues de maman. C'est bizarre qu'il ne soit pas encore en train de embêter maman pour pouvoir venir. Bon, qu'est-ce que j'en conclus dans mes cartes? Moi, j'en conclus qu'il y a toujours ce départ d'une personne importante. Je pense en premier lieu à Macron, quoi. À un moment ou à un autre, comme je vous dis, hein, il y a déjà les prisons qui commencent à... Enfin, les... Pas les prisons, mais les gardiens de prison qui commencent à foutre un peu leur merde. Ils ont bien raison. Surtout si c'est pour être payé une misère et puis se risquer de se prendre un coup de couteau. D'ailleurs, moi, je me demande comment ils ont fait pour avoir des couteaux dans les prisons. À moins qu'ils les aient fabriqués avec un morceau de ferraille qu'ils ont trouvé. C'est encore faisable. Mais il y a quand même quelque part destruction de ce qu'il y a à l'heure actuelle. Il y a plus en plus de gens, comme je vous dis, qui en ont franchement ras-le-bol. Tout le monde est énormément frustré, que ça soit un peu partout. Moi, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a des bisounours qui se disent « Ah ben, mon nombril va bien, c'est bon, j'ai à manger dans mon assiette, j'ai un travail, donc le monde tourne bien. » Le problème, c'est qu'ils ont oublié de retirer les œillères, quoi. Excusez-moi, hein, je dis ce que je pense. N'est-ce pas, les bisounours? Ah, attendez, il y a mon apprenti qui va pas tarder à arriver. Et bingo! Et donc, il y a quand même une majorité des gens qui disent « Mais nous, on en a plein cul, quoi. » Quand on voit ce qu'on paye, ce qu'on dépense, etc., etc. Donc, il va y avoir cette continuité de... Fais coucou aux gens. Tu fais coucou aux gens ? Non, tu veux pas faire coucou aux gens ? D'accord, c'est pas grave. Donc les gens en ont de plus en plus marre. Quand on voit ce qui se passe à Calais, ça me fait franchement rire parce que vous avez Monsieur Macron en 2016 qui a dit, en mars 2016, qui a dit s'il y a le Brexit, bah c'est simple, hein, les migrants qui veulent aller en Angleterre, on va pas les en empêcher. Hein. En fin de compte, il y a eu le Brexit, mais qu'est-ce qui se passe? L'État retient les migrants qui veulent aller en Angleterre. Ils font tout l'inverse, quoi. Le problème, c'est que c'est les gens, la population qui est emmerdée. En attendant, sans compter les CRS, maintenant, et là, je suis un peu contre, parce que là, c'est vraiment abusé. C'est que M. Macron a décidé que si un policier avait un geste de violence contre un migrant, il risquait de se retrouver devant un tribunal, voire même en prison, quoi. Donc là, ça a quand même un petit peu aggravé, comme je dis, et il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Il n'y a pas que moi, hein. On appelle ça le grand remplacement, c'est-à-dire qu'on essaie de remplacer la population qui coûte cher par une population à bas coût. Ça aide qui, à votre avis? Les grosses entreprises. Le problème, c'est que les grosses entreprises ne sont pas que bêtes, et ça, il va y avoir encore plus de licenciements, puisque c'est ce que je ressens, hein. On va être de plus en plus au chômage, malheureusement. Sachant qu'on est déjà, toutes catégories confondues, plus de 6 500 000 chômeurs en France, puisque l'État ne compte que la catégorie A et B, il va y avoir encore plus de licenciements, il va y avoir encore de plus en plus de manifestations, il va y avoir encore de plus en plus de grèves, etc., etc., parce que les gens en ont franchement marre. Je parlais aussi des attentats, des risques d'attentats. Il y a eu encore fin de semaine, je crois que c'est vendredi ou samedi, un homme qui a été arrêté pour justement qui était en train de préparer des attentats. Là-dessus, l'État est pas mal parce que là, ils bougent leur cul, ils agissent avant que la personne puisse faire son attentat. C'est déjà ça. Mais il y a toujours ce gros risque d'attentat en France, hein. D'ailleurs, je suis même surpris qu'il n'y ait pas encore eu ces attentats-là. Ça ne serait tardé, vous me direz. Mais je crois que le jour où, justement, il y a les attentats, un gros attentat en France, là, la population risque de se lever et risque de faire mal. Le problème, c'est que la population, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont pas s'occuper de savoir si c'est musulman modéré ou musulman, on va dire, actif. Ils vont pas chercher midi et 14 heures, ils vont taper dans le tas. Hein. Sachant que, au niveau de l'armement, si on compte simplement les chasseurs, rien que les chasseurs, hein, il y a 1 million de chasseurs en France. Sans compter toutes les personnes qui font partie de clubs de tir, qui sont armés. Sans compter les personnes qui ont des armes non déclarées. Ça fait beaucoup de monde, hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, à un moment, je vois cette guerre civile, parce que les gens en ont plein le cul. Ça arrive tout doucement. Hein. Vous savez, c'est comme une cocotte minute. bouche trou, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Au moment, à un moment ou à un autre, ça va péter. Et là, ça commence à péter, puisqu'on a déjà les gardiens de prison qui manifestent, qui font grève, etc., qui bloquent. 130 prisons sur 188. C'est énorme, quoi. Donc voilà, faut s'attendre à ce que ça arrive, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Ouais, mais Francis, tu te répètes, patati, patala. » Bah oui, mais si ça bouge pas, je peux pas faire autrement, quoi. Je sais que ça va arriver. Mais quand? Le problème, il est là. Donc voilà ce que je voulais dire pour la semaine. Donc si vous voulez partager, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je ne vous engueulerai pas pour autant. Le site est ouvert cet après-midi de 14h à 23h. Donc si vous voulez faire ma connaissance et la connaissance de Virginie pour lui demander pour ses produits ésotériques, comme, je vous fais voir, des bâtons d'encens, des encens en cône, des bougies. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des brûle-encens. Ça, ma petite femme, elle me l'a commandé spécialement pour moi, par exemple, dans ce style-là. Mais ça, c'est une commande spéciale. Elle l'a pas pour l'instant sur sa boutique. Mais elle peut vous en avoir d'autres. Dans ce style-là, par exemple, c'est un brûlé-l'huile essentielle, par exemple. De l'huile essentielle, vous pouvez en avoir aussi sur sa boutique. Vous pouvez avoir aussi ce style-là, en brûle-encens. Bon, celui-là, il a un petit peu mangé, il s'est pris les gamelles. En même temps, je suis pas doué, j'ai deux mains gauches. Mais il faut pas le dire. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir les produits, des renseignements sur les produits, Virginie se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions à poser sur la voyance, je vous répondrai sans problème. Et comme je vous dis, le chat public est gratuit, l'inscription au chat est gratuite. Si vous ne voulez pas vous inscrire, vous avez la possibilité de découvrir le site, découvrir les voyants. En principe, c'est moi. Pour l'instant, on essaye de développer notre site. On avance tout doucement, mais on y arrive. Ça fait quand même 5 ans que le site existe, un peu plus de 5 ans que le site existe. Donc... on avance tout doucement, quoi. Sur ce, bon après-midi, bonne journée, bonne semaine. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez partager la vidéo, partagez-la, pas de problème. Tu fais coucou? Allez, au revoir les gens.